Admiral? Yes, officer. We intercepted this unencrypted telegram from the French Navy. A paramount. Ici, on redonne une loge à tout navire se trouvant à proximité de la zone d'intervenir en renfort. Silent Rock, quelle heure est-il, officer? Il est 16h53. Je crois que le temps est venu de couler ces navires. Allié la veille, ennemi le lendemain. Ces quelques mots décrivent bien le climat de la bataille de Merselkébir. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser les Britanniques à attaquer leur allié français, à couler leur navire et à massacrer un millier de marins? C'est à cette question que nous allons apporter des réponses dans ce nouvel épisode des Centuries. La bataille de Merselkébir a eu lieu le 3 juillet 1940 dans le golfe d'Oran. Mais pour en comprendre les raisons, il nous faut remonter quelques mois plus tôt, le 28 mars 1940, à Londres, où se tenait la 6e assemblée du Conseil suprême interallié. Ces réunions avaient pour but de coordonner la stratégie militaire entre la France et l'Angleterre, qui étaient, je vous le rappelle, les deux plus grandes armées de l'Europe parmi les alliés. Le 28 mars se tenait alors une réunion durant laquelle les deux pays s'engagèrent à ne jamais signer d'armistice ou de traité avec l'Axe sans un accord mutuel. Mais voilà, le 10 mai sonne la fin de la drôle de guerre et désormais l'armée allemande marche sur la France et est bien décidée à prendre Paris. La conclusion de ce que l'on appelle la bataille de France sera marquée par la signature de l'armistice le 22 juin 1940. Mais sentant l'armistice arriver et pour témoigner de sa bonne foi aux Britanniques, l'amiral Darlan, chef de la marine française, avait alors pris soin de disperser ses navires dans différents ports de la Méditerranée, espérant ainsi leur éviter l'arraisonnement par les forces de l'Axe. Dès lors, la France est coupée en deux, le nord est occupé par l'armée d'Hitler et le sud est défini comme zone libre avec comme capitale Vichy sous le régime du général Pétain. L'armistice du 22 juin précise alors que la flotte française, qui était la seconde force navale d'Europe après la Royal Navy, devait être rapatriée dans les ports de la zone occupée pour y être démilitarisée sous le contrôle des Italiens et des Allemands. Hitler avait promis que la flotte française ne serait jamais utilisée en renfort des armées de l'Axe et qu'elle resterait sous la gouvernance de Vichy. Mais que vaut la parole d'Hitler? Les Anglais étaient en droit de se poser la question, d'autant plus que l'on voit feindre un regain de méfiance face au comportement des Français qui n'avaient pas tenu parole en signant l'armistice, ce qui était contraire à l'engagement pris lors du 6e Conseil suprême interallié. De surcroît, les Français avaient refusé d'envoyer des navires dans des ports britanniques, comme le souhaitait Winston Churchill, préférant les faire mouiller hors de la métropole dans différents ports de Méditerranée. Face au nazisme, l'Angleterre était alors le dernier asile de la liberté en Europe. Isolés du continent, les Britanniques possédaient la meilleure flotte du monde. Ils étaient dotés d'une aviation petite mais puissante, mais à leur grand désarroi, ils ne disposaient pas d'un grand nombre de troupes et les alliés du Commonwealth étaient bien trop loin pour intervenir là où la Grande-Bretagne aurait eu besoin d'eux. Dès lors, si la flotte française venait renforcer l'Allemagne et l'Italie, alors l'Angleterre aurait perdu son avantage et la Royal Navy aurait été à la merci de l'Axe. Le 25 juin 1940, l'armistice entre en vigueur et la flotte française est toujours dispersée dans différents ports de Méditerranée, dont Alexandrie, Dakar, Casablanca ou encore Merselkébir. L'amiral Darlan avait donné des ordres très clairs au commandant de la marine française. Si les nazis venaient à changer d'attitude face à leur engagement de ne pas utiliser la flotte française, alors sabordez-vous. Cependant, il demande également à ses hommes de ne pas rejoindre des forces étrangères telles que l'Angleterre, car en faisant le choix de continuer la guerre, les Français auraient pris le risque de graves représailles de la part des Allemands. Le premier ministre britannique Winston Churchill élabore alors l'opération Catapulte, qui visait à capturer ou détruire les navires français n'ayant pas encore regagné la métropole, ceci dans le but de s'assurer qu'ils ne tomberont pas entre les mains de l'ennemi. L'opération Catapulte commence bien et les Britanniques parviennent à arraisonner 4 bâtiments mouillant dans le port de Plymouth. Pour ce faire, les soldats anglais avaient invité leurs homologues français à venir boire quelques verres
afin de les éloigner de leur navire. Ainsi, cette première capture se déroula plutôt facilement. Mais si la capture de la plupart des bâtiments de la flotte française purent se faire sans donner lieu à de sanglantes batailles, ce ne fut pas le cas pour la flotte au mouillage dans le port de Merselkébir. Nous sommes le 3 juillet 1940 et une terrible bataille se prépare. Le 3 juillet à l'aube, l'amiral Somerville arrive dans le golfe d'Oran et adresse un ultimatum au vice-amiral Jansoul qui commande l'escadre basée à Merselkébir. Le télégramme comporte trois propositions et devant échouer 6 heures plus tard. Le vice-amiral Jansoul avait alors le choix de rejoindre la flotte britannique dans la lutte contre l'Axe, de saborder ses propres navires pour les rendre inopérants, ou de gagner l'Angleterre, la Martinique ou encore les USA afin d'y être démilitarisé. Après plusieurs prolongements des délais de la part de l'amiral Somerville, il semblait qu'un compromis puisse être trouvé. C'était sans compter sur un télégramme annonçant l'arrivée de renforts français provenant d'Alger et de Toulon. La communication entre Vichy et les navires français n'étant pas cryptée, les Anglais parvinrent à intercepter le message et Londres ordonna l'ouverture du feu à 16h53. Les navires français sont alors pris au piège. Ils ne peuvent pas manœuvrer dans le port que les Anglais ont pris soin de piéger à l'aide de mines magnétiques larguées par avion. Le combat était alors perdu d'avance car l'escadre française n'était pas prête à mener cette bataille. Après 10 minutes de salves intenses contre les bâtiments français, l'amiral Somerville sonne l'arrêt du combat. Derrière l'épaisse brume de fumée engendrée par les tirs d'artillerie, se cachent alors les épaves du Dunkerque et du Bretagne, deux importants navires de la flotte française. Seul le croiseur, le Strasbourg, aura réussi à quitter le port et escorté de quelques contre-torpilleurs, ils parviendront à relier Toulon sans trop de dommages le lendemain. Mais sur place resteront 5 bâtiments français, 4 avions britanniques et 1 millier de morts. Dans cette marée de mazout se mélangeaient alors les débris de ce qui étaient les fiers fleurons de la flotte française et les corps de quelques 1297 marins qui perdirent la vie en ce jour du 3 juillet 1940. Alliés la veille et ennemis le lendemain, Français et Britanniques venaient de vivre un des plus atroces conflits navals de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, qui sait quelle aurait pu être notre histoire sans ce triste chapitre. Dès lors, on aurait pu craindre une détérioration de la collaboration franco-britannique, d'autant plus après l'opération Catapulte et la tragique bataille de Merselkébir. Mais le général de Gaulle, alors en exil à Londres, fit preuve d'une grande sagesse dans sa réaction. Le 8 juillet, il déplora l'incident tout en déclarant qu'il préférait savoir ses navires couler dans le port de Merselkébir plutôt que d'être tombé entre les mains de l'Axe. Bien que la rivalité persiste entre Churchill et De Gaulle, il savait dès lors que tous deux continueraient cette guerre jusqu'à ce que l'Europe puisse retrouver un climat de paix dans lequel l'Empire nazi n'avait pas sa place. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale a déjà été relatée de long en large et chacun d'entre vous l'a déjà étudié au travers de documentaires ou durant votre propre scolarité. Toutefois, j'espère vous avoir fait connaître une bataille qui reste souvent méconnue et qui a pourtant marqué la guerre pour avoir vu s'affronter 2 nations alliées. Cet épisode est également un moyen de commémorer la mémoire de ces marins sacrifiés et à qui l'Europe doit aujourd'hui de pouvoir vivre dans un climat de paix, bien que relatif au niveau mondial. Comme d'habitude, vous trouverez des articles complémentaires dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cet épisode et si vous appréciez la chaîne Origine en général, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux car c'est vous qui décidez de la visibilité que vous m'offrez. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.